Come, tribe, let us make fire. Phone bad, make mad, make mad, make them sad. Me no think technocratic life, very healthy. Me would rather run free than serve the needs of the wealthy. Me no watch your factories that squeeze me to capital knees. Kill the birds and all the bees, me would rather flee to trees. Tribe member dead? Very sad, very sad. From a scrape on his head? Very sad, very sad. No way to prevent this, no, not at all. No way to prevent this, Sungrass Falls. Me, no libertarian, no boogaloo. Only booga we do is ooga booga boo. Ooga booga 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 boo. Ooga booga 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 boo. Sing Anthem, 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 Anthem. Anthem, Anthem, Anthem. And don't even get Anthem started on Industrial Revolution. This may surprise you, but... Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Tensus, on se retrouve pour un nouvel épisode avec la France. Bon, je peux vous en dire, je suis un peu salé parce que normalement, je ne devrais pas tourner cet épisode, parce que je l'ai déjà tourné. C'est juste que je n'ai pas éteint Overwolf de la bonne manière, ce qui fait qu'il y a une chance sur deux pour que Overwolf décide de planter... ces arbres que j'ai plantés, excusez-moi. Non, c'est qu'Overwolf, quand je joue en Empire et que je quitte Overwolf, Overwolf peut planter, et s'il plante, je perds tout un épisode. Donc je vais devoir recommencer cet épisode-là, ce qui ne me fait pas plaisir parce que j'avais d'autres choses à faire, mais bon, c'est pas grave parce que j'ai du temps à perdre. Bon, alors là, on va se battre contre les Indiens, contre Pontiac, j'avais déjà fait la réflexion, mais bon, vu que j'espère que cet épisode sera le dernier, j'espère que tout va bien se passer. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Pontiac, c'était le nom d'un chef amérindien, des Grands Lacs, lorsque les Français ont été battus après le traité de Paris, t'as beaucoup d'Indiens qui sont restés fidèles à la France. Et Pontiac a soulevé une grande armée, et des mecs ont mis en PLS les Anglais, notamment la veille de l'Ohio. Et en fait, leur espoir, c'était que les Français attaquent pour venir les aider. Sauf que le problème de Pontiac, c'est que la stratégie de la France, c'était plus ça. Et surtout, bah, la France pouvait pas intervenir, parce qu'ils venaient de signer un traité, et puis, je veux dire, tu ressors d'une grosse guerre de 7 ans, t'as pas envie de replonger dans une autre. Et les Indiens ont été abandonnés. Ce qui est d'ailleurs une tragédie, parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque les Américains et les Français ont battu les Anglais à Yorktown, bah, beaucoup d'Indiens avaient l'espoir que les Français allaient revenir. Sauf que au Canada, c'est resté les Anglais, au Québec, les Anglais, et bah, les tribus amérindiennes qui étaient protégées par les Anglais étaient plus, et les Américains, comme on le sait, ne les ont pas très bien traités, hein. Fameux destiné manifeste. C'est les fameux sauvages à civiliser. Ah là là! Un disque destiné manifeste qui n'est pas du tout encore d'actualité dans certains coins. Enfin, qui n'était pas d'actualité, encore d'actualité si complètement. La conquête de l'Ouest jusqu'au Pacifique. Alors, le devoir est plus lourd que l'acier, mais la mort est plus claire que est plus léger qu'une plume. Ouais. Ouais. Ok. Ok, je n'ai rien d'autre à ajouter, votre honneur. Acquitté! Bon, alors on va affronter les Indiens avec Montesquieu. Donc on va avoir l'ancêtre, j'avais déjà faire la blague, mais l'ancêtre de Basile Montesquieu. Enfin, c'est justement son nom, Basile Montesquieu. L'ancêtre du marquis de Montesquieu. Hop là. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci à régler rapidement. Boire un petit coup et voilà. Bon. Alors, comme je voulais vous le dire, c'est que donc, cette bataille, à force de la faire, je la connais par cœur, parce que le jeu a déjà craché. En gros, ils vont tous arriver, leur armée de renfort, par là. La stratégie, elle est simple. On envoie une masse de cavalerie ici. Et une fois qu'on envoie la masse de cavalerie avec tout ça derrière, eh ben, on défonce. On va juste faire une grosse masse de cavalerie, on va défoncer leur infanterie. Parce que c'est ça, la faiblesse des Indiens sur Empire, c'est le fait que c'est qu'une armée d'infanterie. Enfin, ils ont pas beaucoup de caves. Enfin, le pire, c'est sur Medieval 2... Ouais, Medieval 2, quand vous jouez la campagne avec les Amérindiens, comment c'est le nom? Oui, la campagne America, où vous pouvez jouer les Espagnols de Cortés, et bah les Indiens, ils ont pas de cave. Alors c'est juste des espèces de mecs avec des espèces de pyjamas qui vous font penser gentiment aux mecs de... Comment ça s'appelait déjà? Ah, mauvais bouton. Comment on les appelait déjà, les Parthes? Vous savez, sur Rome, les Indiens en pyjama.
qui sont une source de rire incommensurable. Moi, je les aimais bien, les hommes en pyjama, surtout les hommes en pyjama arméniens. Voilà, allez hop. En gros, ils vont arriver par là. C'est à peu près ce que je me rappelle. Donc là, on envoie la première vague. Et derrière, la deuxième vague. Alors là, on va casser du beau monde. Et oui, l'autre problème des unités indiennes, c'est qu'elles sont bien cachées. Alors là, je peux les voir. Ils vont pas tarder à sortir, mais normalement, je devrais les voir. Vu que j'ai des éclaireurs indiens. Voilà, qu'est-ce que je disais? Regardez-les. Ils sont là. Ils sont là! Les tribus indiennes. Avec un général. On va essayer de le buter vite, celui-là. Ça pourrait faire nos affaires. Oh bah! Regardez-le! Oh purée, on l'éclate. Ok, c'est bon. On y va! Chargez! Il est temps de charger dans le tas. Sortez les tomahawks, les sabres, enfin sortez tout ce qui coupe. Et bah vous allez couper des têtes, voilà. Voilà, c'est concrètement ce qu'on va faire. Voilà, regardez-moi cette charge héroïque qu'on va faire dans pas longtemps. On va attendre un peu avant d'envoyer le reste de la cave. Ah pardon, il y a les pionniers là-bas, on va envoyer notre cave aussi. Oh là! Beaucoup de pionniers d'un coup. Oh, ils ont réussi à se bloquer comme des débiles. Tant pis. Allez hop. Et allez, le général est tué. Ça, c'est parfait. Un ennemi en moins. On va se retourner contre eux à côté. C'est bien de tuer le général, en fait. Voilà. Je commence à prendre lourd de perte, là. Voilà. Allez, ici. Et là! Oh là, là, je prends des pertes. Oula, oui, oui, là, ça fait mal. Ça fait mal. Alors là, on est à 4 contre 1. Enfin, je sais pas à combien on est, mais... Ah, là, faut que ça taillade. Allez, hop, ça passe. Oh, regardez ça. On est à je sais pas combien contre 1. Beaucoup. Et allez, c'est bon, regardez. Tout ce beau monde qui fuit. Toi, tu vas poursuivre. Toi, tu vas charger les natifs. Mince. Et toi, tu vas charger là-bas. Voilà, tout ce beau monde qui fuit. C'est beau. C'est très beau. Alors, général, l'autre général devrait pas tarder à se manier. Je pense que ça me va si on peut buter l'autre général à côté. Allez, c'est... Regardez ce massacre. Ah non, il renvoie encore une unité. Là, ça va être compliqué. Là, s'il renvoie une autre unité, je vais pouvoir buter ça tout de suite. Ok, donc vous allez vous replier. Le temps que les autres arrivent et qu'on puisse les sabrer à leur tour. Ah, là, ça va sabrer. Ça va sabrer du champagne. Ok, là, il me démonte. C'est pas bon. Pardon. Ok, c'est bon, ils sont là. Allez, vous leur tombez dessus. Eh mince, ils m'ont fait fuir une unité. Fais suer. Ok, là-bas, on les défonce. On revient par là. Eh mince, ça se passe pas comme prévu. Ah, bon sang. Bon, en attendant, on retient le cœur de leur armée. Ils vont m'attaquer avec le reste. Je parie que ça va mal se passer pour eux. La cave qui est en train de morfler. Et les autres qui veulent pas crever. J'ai buté votre général, là. C'est peut-être pas Pontiac, mais l'autre débile, il est mort. Ou ouais, alors bon, c'était juste ça en fait, c'était pas la peine. Ah bah ça y est. Putain, ils m'auront saccagé mes armées, eux. Ok, bah eux on va les saccager. Eux on l'enfonce dessus. C'est bon, là normalement il n'y a plus de troupes qui doit arriver. Ah, ça doit être le général qui est là. Ouais, le général qui me fonce dessus, parfait. Mais comment les mecs, ils ont réussi à s'envoyer à 50 milliards de kilomètres? Un exploit quand même. Euh,
va falloir qu'on voit là-dessus. Ok, ça tombe. Là, faut qu'on bute Pontiac. Ouais, c'est bon. Eux, là, ils vont être... ils vont passer à la trappe. Là, ils m'auront fait mal. Bon. On va falloir qu'on se dégage. Là-bas, ça donne quoi? Oh, bon, on les éclate. Allez! Hop! Je vais regretter d'être tombé sur le cœur de mon armée. Je comprends plus un champ de bataille. J'ai tué tellement de gens que je ne sais même plus ce qui se passe, mais... Regardez la cavalerie qui est partie en cacahuète la plus totale. Alors, 3... 20! Ok, tu poursuis cela. Mais... S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour mes hommes et venez vous battre. Ah, les unités qui n'arrêtent pas de fuir, c'est insupportable. Bon, on va faire une technique assez simple. Voilà, j'ai perdu une unité de cave, ça c'est pas grave, c'était à prévoir. En général, il est où déjà? Ouais, ça doit être ça. Pontiac, ce salaud qui me fait bien mal là actuellement. Ah, c'est bon, là on a tué tout le monde. Purée, on est parti à l'autre bout du champ de bataille, fait suer. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais avoir pris des lourdes pertes. Ah, oh, j'ai perdu beaucoup moins de caves tout à l'heure. Oh, fait suer. Voilà, faut que je fasse bien attention pour quitter le jeu, parce que sinon je vais tout perdre comme un débile. Voilà. Alors là, maintenant, ça a commencé à moins faire les malins, maintenant que je vous bute tous. Alors les gars, c'est pas une bonne idée de charger mes mecs. Ah, c'est bon, on a plus de pluie. Bah, c'est la canicule. Pas ça. Ok, on a pas tué Pontiac. Pontiac, il est où? Il est là-bas. Ah, il aura vécu. Il aura survécu plus longtemps que moi. Enfin, plus longtemps que mes hommes, en tout cas. Allez, hop. Bien crevé, vous. Ah, ils m'ont fait des pertes, hein. On a pris quelques pertes. Ah oui, on a pris quelques pertes. Ça va. Ça va, ça aurait pu être pire. C'est plutôt ma cave qui a pris le gros des pertes. Bon, c'est pas très mal, c'est pas trop mal. L'essentiel, c'est de buter toute leur armée. Ah, la Pontiac est mort à son tour. On va rappeler qu'il y avait trois armées et pas deux. Pardon. Enoli et Pontiac sont morts, parfait. Allez, vous me coursez tout ça. Montesquieu à l'attaque, qui fait de la chasse à l'homme au sens littéral du terme. Oh, c'est bon, victoire, bon. Je vais couper ici le temps de finir la poursuite, à tout de suite. Bon, beau massacre, j'ai quand même perdu 300 gars. Bon, c'est ma cavalerie qui a pris, c'est pas très grave. Bon, le reste, ça a été une belle hécatombe. J'ai des unités qui n'ont pas tiré un coup de fusil. Ouais, j'ai deux unités qui s'en sont très bien tirées. Ils ont allumé le petit feu de camp et voilà. Et une armée en moins, une, ça devait être Pontiac, tiens. Et parfait, ces débiles vont en plus me laisser le contrôle de Saint-Augustine. Bon, je les traite de débiles, mais franchement, c'est peut-être le meilleur move qu'ils ont fait. Aussi bien pour eux que pour moi, parce que je ne vais pas avoir à buter de mecs. Bon, le truc, c'est que je pense pas qu'ils vont attaquer. De toute façon, dans ma partie test, ils n'ont pas attaqué. Pourquoi? Bah, je sais pas. Le plus logique, ça aurait été de m'attaquer. Après, je crois qu'ils sont aussi en guerre contre les Anglais. Donc, peut-être que c'est une raison. Alors, tu vas essayer de buter lui, là. Putain, il a un nombre d'étoiles hallucinant. Détecté, Robespierre détecté. Bon, là, tu te casses. Robespierre, c'est un compétent de service. Incredible. Bon, on va en profiter pour contourner de ce côté. Hop. Comme ça va être Vaudreuil qui va finir les Indiens. Donc on va péter ça, parce que je sais pas d'où ça sort. Il y a des trucs qu'on va péter. Ouais, donc je suis assez surpris que ce soit Saint-Augustine, la capitale. Confident, bah oui, il peut l'être, hein, il est quand même au corps à corps. Parce que Saint-Augustine, normalement, enfin, aujourd'hui, c'est pas la capitale de Floride. En fait, la Floride a deux capitales, comme tous les États américains. T'as Miami qui est la capitale économique, culturelle et tout, et c'est Tlamarat 7, une ville par là qui est la capitale politique, on va dire. Bon, rendez-vous parce que vous allez pas me faire suer, hein, j'ai déjà saisi mon prix de perte comme ça. Encore heureux, purée. J'ai bien cru qu'ils allaient pas se rendre, hein. Chaque fois que. L'autre fois aussi j'ai eu peur, mais bon. Je pense que l'IA. Je me demande en fait si l'IA ils doivent pas faire un jeu de. Est-ce qu'on a plus de chance en se battant ou en se rendant? Je suis pas trop sûr que ça marche ce genre de test, mais bon, passons. Ah, une ville en Algérie qui s'améliore. Une magistrature à Alger. Il y a tout ce qu'on construit. Du fer et tout ça. Et on a une petite ville qui se crée ici.
Alors, Tukabachi, ouais. Je n'arriverai toujours pas à prononcer le nom de cette ville. Bon, en même temps. Comment ça se fait d'ailleurs qu'on a laissé les noms indiens, on n'était pas parti sur des noms français maintenant? Bon, passons. C'est pas si grave que ça, après tout. Là, je pense que c'est ce que j'avais fait aussi, on va se débarrasser de l'armée de Stuart Daly. Starman, là, je peux vous dire, j'ai perdu beaucoup de mecs à cause des prêtresses vaudou. Alors, ça peut vous faire rire, mais les prêtresses vaudou, c'est de la saloperie absolue. Les machins, ça lance des Hadoken, c'est hallucinant. J'ai jamais vu une unité aussi cheatée. Regardez ça, il n'y a rien. Pourtant, j'ai perdu ces 3 unités de fusil avec leur fusil là. Ils sont tous morts. C'est les mecs sont morts, tués par des prêtresses vaudou. Les gars, les prêtresses vaudou, on en trouve surtout dans les bayous de Louisiane, pas en Virginie. Ou alors peut-être que je me cours, mais... La cave, c'est pas un problème. Leur infanterie va être le plus compliqué. Enfin, surtout, bon, le fût colonial infanterie, ça, j'ai pas trop peur. C'est les prêtresses vaudou qui m'ont fait peur. Vous rendez compte, j'ai plus peur de prêtresses vaudou que de mecs avec des fusils. T'sais, vous rendez compte de l'absurdité du truc. Ils ont des fusils. Ah. Ils ont des prêtresses vaudou. Oh mon dieu. Oh mon dieu, pas des prêtresses vaudou. Oui, d'ailleurs, j'avais aussi abordé ça dans l'épisode que j'avais tourné. Alors, oui, je devais... Bon, j'ai vu que malheureusement, ma fin pour... Bonaparte Legacy n'a pas fonctionné. Bon, bah, j'aurais essayé. Puis bon, vous savez, parfois il faut pas aller jusqu'au bout des guerres. Et... Après, d'un côté, je considérais que c'était pas très pertinent d'aller envahir l'Afrique. Parce que je veux dire, il y a même pas besoin de le faire. D'un point de vue réaliste, je veux dire, t'as le Commonwealth qui est en exil en Afrique, ça s'effondre au bout de 2 semaines. Ça peut pas me faire croire que t'as tous les indépendantistes du coin, ils vont gentiment attendre tonton Roosevelt. Non, ils vont prendre les armes. Alors oui, j'ai aussi fait la bourde sur, comment c'est son nom, John Reed, que j'ai mis, alors c'est un syndicaliste contre les syndicalistes. Oui, j'ai parti du constat que Reed était plutôt un trotskiste dans ce monde, mais bon. Mais à coup de pas, j'aurais dû mettre quelqu'un d'autre, mais j'avais pas beaucoup de noms trotskistes. J'aurais pu mettre Truman, mais Truman dans le mode, c'est un sudiste, donc pas très logique. Bon, bah voilà, ça se fait. Donc je ferai donc en fin de semaine un vote. Donc le vote, il y aura au moins, je proposerai 4-5 trucs. Je proposerai pas de campagne sur Empire Talwar, parce que ça je ferai après avoir fini celle-là. Ce sera une campagne, soit sera une campagne avec les... Je proposerai plusieurs campagnes, notamment Sentier de la Guerre avec les Indiens. Eh, vous aurez votre campagne avec les Indiens. Après je ferai un vote pour savoir si vous voulez les Cherokees, les Hurons. Les Hurons, j'ai jamais joué avec les Hurons, mais j'aime pas trop les Hurons. Je préfère les Iroquois. Les Iroquois c'est très compliqué. Alors pour la petite anecdote, enfin je vais d'ailleurs finir... Et oui aussi je ferai un autre vote pour les autres... Et oui, donc je ferai un vote pour savoir quelle série je fais ensuite. Et oui, il y aura un autre vote pour les séries sur Empire. Donc oui, les Iroquois, je peux vous dire, la première fois que j'ai joué avec, je me suis fait éclater. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu les Français qui sont venus me déclarer la guerre. Le roi de France en Martinique... Ah oui, c'est vrai, j'ai encore du brouillard. Les Français de Martinique sont venus me casser la figure au Canada. Alors, je ne sais pas dans quel monde ce genre d'événement a lieu. Mais bon, passons, c'est pas le plus absurde. Les Espagnols sont venus eux aussi me casser la figure pour prendre une province. Alors je crois que les Européens ils sont dus aujourd'hui, c'est buffet à volonté, vous prenez un bout de tout le monde, hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais... ok. Et j'ai survécu uniquement en faisant des fusils. Parce que, en fait, le problème de la campagne du Sentier de la Guerre, bah, c'est que niveau gameplay, tu te rends vite compte que t'es assez limité. Parce que si t'as pas les... Ah mince, comment on appelle ça? Si t'as pas les fusils, bah t'es niqué. Parce que les Européens ils te butent en 5 minutes, Alors après, j'ai déjà réussi à gagner avec les Indiens et leurs arcs et flèches et tout. Bah comme on peut le voir, cette campagne, je joue un peu les troupes indiennes. Ouais, faut que je fasse attention parce que ces salauds, ils avaient caché 3 unités de prêtresses vaudou. Les machins, je suis tombé dessus en 5 minutes, j'avais plus d'armée. Oh, j'ai oublié mes piquets. Ah, fessé. Ah, décidément, c'est une manie de ma part d'oublier les infanteries. Bon, on avance jusque là. On pourra pas avancer plus loin parce qu'il y aura l'artillerie. Ah, à moins qu'ils avancent leurs troupes d'abord. Non, ok, c'est bon, ils avancent leurs troupes là. J'ai pu oublier les... Ah, mais j'en avais 2 des piquiers, bah oui. Bah oui, bah oui, Jamy. Dis donc, Jamy, comment tu fais pour être aussi teubé? Ouais, hélas. Ils ont de l'artillerie, mais ils n'arriveront jamais à me tirer dessus avec. Là-bas, on va faire très attention, parce que les prêtresses vaudou qui me balancent des Hadoken... Ou des Kamehameha, je peux vous dire que ça vous sale en un rien de temps. Allez, sortez de là. Elles étaient là, je m'en rappelle. Allez, venez vous battre, espèce de lâche. Sorcière.
L'Inquisition vous aurez déjà buté à l'heure qu'il est, hein. Ah ouais. Enfin. Oui et non, on va dire. On va surtout faire courir les Indiens. Écoutez, les Indiens sont habitués au climat, donc techniquement, ils peuvent se permettre d'être plus fatigués que mes hommes. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont, purées? Je déteste ça quand tu sais pas où est l'IA. Ah, ça se trouve, ils sont pas là, mais... Ça se trouve, c'est une hallucination collective, tu sais, j'ai mon général qui a un... Allez, voilà! Les pestes! Regardez, là! Elles sont que 7, vous voyez, ces 7-là, elles ont niqué une unité entière. J'ai 35 mecs, ils étaient plus de 15. Alors, n'allez pas me faire croire, n'allez pas me dire, Coric, tu rages. Non! Je rage pas, c'est ces sorcières qui m'ont buté mes troupes. Ah, je vais les mettre en PLS, là. En plus, elles vont même pas avoir le temps de tirer. Sauf elle, peut-être, mais bon, ça sera pas un problème. Voilà, allez hop! Idle, elles vont tirer. Ah, attends, on va peut-être réussir à les avoir. Oui, c'est bon, là, on les défonce. Ah, mais pas de fou! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, c'est leur fusil qui leur canon qui me tire dessus! Ah oui, mince, j'avais zappé ça! Oh le con! Parce que dans mon autre partie, je les avais fait courir, donc évidemment, les mecs sont arrivés à temps pour défoncer les gars. Voilà, regardez! Allez, prêtresse vaudou, là, ça fait moins les malins! Putain, je suis en train de mitrailler les pauvres canonniers. Enfin, ils auraient même pas à me toucher, donc bon. T'en veux aider tes copains, là? Est-ce qu'ils sont en train de me faire un peu mal? Cette bataille de Gogol! Ouais, on va arrêter le feu, parce que là, je suis en train de sacrifier des munitions pour rien. Attendez, on va... Non. Voilà, comme ça. Et là, on fait courir, parce que là, on a fait le ménage. Ils vont venir. Ils arrivent ! Bon, on va garder son calme. Ok. On va arriver là-bas. Ah non, ils vont peut-être venir pour ma cave à moi. Ah ah! Oh, bah, oh, je suis en train de servir des munitions pour rien comme un gogol! Parfait, ils envoient leur cave! Enfin, ce qui ressemble à leur cave. Non mais les gars, là, il va falloir faire un effort. Purée, ça résiste bien ces tirs là. Bon. Peut-être se décaler un tout petit peu là. Je veux pas perdre des munitions comme un gogol. Oh le mauvais move. Non, c'est bon. Surprise. Eh ben ouais, mon gars. Surprise, hein. Ah, c'est moi le méchant maintenant. Parfait, là on va les encercler un bon coup. On va envoyer la cave sur le côté parce qu'ils ont posé des chevaux. C'est bon, ils sont morts. Parfait. Mon plan diabolique est en route. C'est quoi votre plan diabolique? J'en ai pas. J'ai encore séché le cours de plan diabolique. Non, c'est en la mupique qui arrive au petit pas. Bon, j'avoue que c'était pas une bonne idée de les faire marcher comme ça. Ah! Mais qu'est-ce que vous foutez? Non, revenez! T'as les unités indiennes, ils se peuvent pas s'empêcher de courir, hein. Tu leur demandes gentiment d'attendre. Non, on va faire une charge. Pourquoi? Et savoir, hein, c'est une bonne idée comme ça. Je vais vite manquer de munitions avec toutes ces bêtises là. Tous ces guignols qui me tirent dessus. Bon. On va avancer la ligne. Encore. Encore. Ça commence à faire beaucoup là, non? Ah, trouver mes unités. Non, c'est bon, ils ont pas foncé. Ah si, ils foncent! Oh, c'est Southerners, fait suer. Les abominations de la nature sont de retour. Purée, qui me défonce. Il me défonce. Génial. On va avancer nos gars là. Ah, j'arrive plus à voir. Il y a trop de brouillard. Au secours. Eh, notre cave qui est dessus. Comment ça? D'accord, alors ok, on vous tire dans le dos. Hein, ça vous dérange. J'espère que ça vous dérange pas, je vous mitraille dans le dos, calme.
Putain, les mecs, ils me mitraillent. Ils m'ont tout défoncé, hein, au passage, hein. Putain, les Southerners, vraiment une saloperie absolue, c'est ça aussi. Tout est une saloperie absolue sur ce jeu. Bon, s'ils me butent ma cape, moi, ça va pas m'aller, parce que j'aurais bien défoncé leur armée, tout entière. Bon, on va se replier. On va voir s'ils vont aimer les piquets, ceux-là. Défoncez-les, quoi! Je veux dire, vous êtes dessus! Oh, ils arrivent pas à les buter, mais quelle bande de débiles! Voilà, je vais t'envoyer des piquets dans la tronche, là. On va voir si tu vas faire le malin. Mais pourquoi vous fuyez? Vous êtes de la cavalerie coloniale! Ce jeu, parfois, me rend fou. Parce que les mecs fuient. Ils m'ont fait le coup aussi, hein. Ils sont mis à fuir alors qu'ils étaient pas censés fuir, hein. Alors non. Voilà, d'un coup, là, t'envoies des piquets, t'envoies des vrais mecs avec des piques dessus. Ah bah, Imhotep! Il sera gentil de les buter, eux aussi. Ils vont branler les dragons du sud, là. Et qu'est-ce que vous foutez? Oh non, si vous faites comme sur The Great War, je vais pas aimer, là, par contre. Non, 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 non. Y a pas de je me mets à tourner sans raison apparente pour rire. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je vous ai dit, vous repliez, bande de débiles! Ils vont me rendre fou. Ils vont réussir à me rendre fou. Mais c'est qu'ils vont me rendre fou, les cons! Il y a un moment où si les mecs sont pas capables d'obéir à un ordre, moi je peux plus rien faire. Bon, on va aller les sauver eux parce qu'ils sont pas capables de tuer des mecs à cheval. Alors s'il faut que je fasse tout le boulot à leur place, ben on va les aider. Eh bah comme je dis, hein, étonnamment les mecs ils tombent sur de vrais piquiers. Bah, ça fait moi les malins. Eh ouais. Bon, mes mecs tombent en déroute, mais ça c'était convenu. Eh bah ouais. Eh bah ouais. Quand c'est de la vraie infanterie. Eh ben là, ça va, c'est plus la même, hein! Mais butez-les, mais butez-les, tous ces débiles là! Oh, et putain, il recommence! Ces prêtresses vaudou vont vraiment me casser les pieds jusqu'au bout. Ok, je vois que c'est reparti pour un tour. C'est bon, ils sont tous morts. Oh! Ah, ces salopards, quoi, ils vont m'avoir tué toute ma cave. Incroyable. Incroyable, cette IA qui a réussi à être insupportable. J'ai toujours autant le seum à ce que j'ai perdu des gars vêtements, mais là... Incroyable. Ma cavalerie est tombée en déroute comme un darien. Oh là 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 là, parfois... En fait, t'as envie d'arrêter de jouer à ce jeu. Alors là, pas de pitié pour les survivants. Ouais, allez, c'est ça. Casse-toi, pauvre con. J'aurais dû à faire du Sarko pour faire fuir mes ennemis. Rendez compte de l'humiliation. L'humiliation, je suis obligé de faire du Sarkozy pour que mes ennemis me prennent au sérieux. Bon, je vais devoir balancer le nom d'oiseau, je vous retrouve à tout de suite. Bon, 271 morts contre 484. Le ratio est acceptable, mais franchement... Bon, si c'est pour tuer des prêtresses vaudou, moi ça me va, hein. C'est tout pour ça. Allez hop! Oh, j'ai adoré ce cri d'agonie derrière. Ah, génial. 1711, bon ça va. L'autre fois j'avais eu 1000 de fric, bon. Ça va. C'est moins pire que les 1500 de fric que tu dois recharger parce que t'as perdu une armée entière. Bon. Et ben voilà, regardez ça d'ici un épisode. Je pense prochain épisode on sera directement à Savannah. Parce que le temps que cette armée là arrive, ça devrait le faire. On prend Savannah. L'autre armée, on attend que eux m'attaquent. Parce que bon, l'armée de cave, je vais sûrement pas les attaquer en 1v1. Bon, alors avec le reste du fric qu'on a, bah, on va construire des trappeurs. Des trappeurs. Encore des trappeurs. Toujours plus de trappeurs. Oui, bon, je vais peut-être causer une extinction de masse en faisant ça, mais bon, hein. Le fric d'abord. Alors, ça vaut combien, les fourrures? Ça vaut 16. Ça vaut autant que du café. Pour des comptes, une tasse de café Nespresso vaut autant qu'un manteau de fourrure. Alors, les esclaves qui valent 25, la ressource la plus chère du jeu. Bon, je ne vais rien dire là-dessus. Les faits parlent d'eux-mêmes.
Pendant ce temps-là, on avance nos armées en France. Le débarquement d'Irlande est pour bientôt. On va pouvoir en finir avec ces satanés anglais qui n'ont rien trouvé de mieux que de mettre une armée sur mon sol. La Normandie, elle est occupée depuis presque 10 ans. En fait, on est revenu au temps de la guerre de 100 ans où t'as les Anglais avec Talbot qui occupent la Guyenne et la Normandie. Le problème de la France, c'est qu'elle n'a qu'une grosse province. Ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais le fait que la France ce soit qu'un gros bloc, c'est pas logique. Bon, je dis ça, mais l'Espagne, c'est pas mieux. Alors, à côté, l'Angleterre. Bon, l'Angleterre, t'as Écosse, Irlande et Angleterre. Bah non, t'aurais pu au moins mettre, je sais pas, Pays de Galles, Northshire, enfin des trucs en Shire. La France, t'aurais pu mettre la Bretagne, la Normandie, je sais pas, l'Aquitaine, la Provence. Ça aurait pu déjà équilibrer un peu le truc. Je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait sur Napoléon Total War. Pourquoi ils l'ont pas fait sur Empire? C'est ça qui est problématique, c'est que le français, il est tellement facile à buter. Le français, tu prends Strasbourg, Paris, finito. Bon, l'anglais, c'est pas mieux, trois provinces. L'espagnol, c'est plus dur, parce que l'espagnol, tu dois prendre Madrid, tu dois prendre Naples, tu dois prendre Milan, et tu dois prendre la Sardaigne. Alors, quand t'es une nation comme une nation italienne, ou une nation qui n'a pas d'accès à la mer, je te laisse deviner le cauchemar que c'est. Enfin, je vous laisse deviner le cauchemar que c'est. Pourquoi je vous... C'est pas trop mon genre de tutoyer les gens, désolé, ça ne se reproduira pas. Émeute en Virginie. Ah, non, 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 pas de ça chez moi. Voilà. Calmez-vous, travailleurs. Je vous ai compris. En partie. À 99%. À peu près. Alors, Orléans. Ah, c'est parfait, on a fini notre école à Orléans. Alors, c'est-à-dire qu'à Orléans, je peux faire de la recherche? Oui, ils l'ont compris. Ils ont compris. On fait l'utilitarisme. Ce qui me fait plus de fric. Par contre, les gens sont pas contents. Ouais, ça va être un peu problématique. Attends qu'on fasse cette vision internationale du travail. Là, on va foutre la merde. Kasserine, parfait. Eh ben, on va faire un truc là. Marrakech, bah, regardez ça. Depuis que je suis arrivé au Maghreb, le Maghreb se développe à une vitesse, c'est incroyable. Pendant ce temps-là, en Europe, rien de nouveau, non? Faut croire que non. Oh, une mine d'or. Oh oui. 2100 de fric par tour. Ça vaut cher. Mais c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre. Beaucoup d'entre vous vont finir au chômage, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Attendez, il faut qu'on développe les... Oh là 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 là, regardez les territoires d'outre-mer. Ah, les territoires d'outre-mer, là, c'est plus Martinique, Guyane, tout ça. Là, c'est le Commonwealth dans son intégralité. Regardez-moi ça. Regardez-moi tout ce qu'on est en train de développer. Là, j'ai les restes d'une flotte, je présume. Je ne traite pas rien. J'ai un peu de fric de côté. Le problème, cette armée-là, je vais pas la bouger. Enfin, on va... On s'entend que ce soit une ferme. J'ai tout cassé. Bah oui, vous m'avez fait suer, Elia. Bah, je vais m'amuser aussi. Bon, eux, il va falloir au moins 2-3 tours pour qu'ils se recomplètent. Ici, j'ai peut-être un super coup à jouer. Ah non, faut que je m'approche encore plus. Le prêtre et le chaman qui se font leur légendaire duel de théologie. Mais puisque je vous dis que vous honorez un loup. Bah oui, j'ai une peau de loup, et alors? Oui, mais nous, on honore la Trinité. Pourquoi votre dieu, il a besoin de se diviser en trois? C'est pas la question. Hop. Des fermes, on va pas construire des trucs à Beverly Hills. Enfin, on va pas faire Miami Beach. Alors ça, faut pas déconner. Non, 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 non. Alors le sucre ou le café, on a vu, c'était le sucre. Je crois que c'était le sucre. C'est exact, c'est le sucre. D'habitude, le café, il vaut plus. Enfin, ça a toujours été le sucre. Je crois que c'était un prof d'histoire qui nous avait dit ça, que la noblesse européenne, ils étaient drogués au sucre. Alors j'espère qu'il n'y en a pas qui étaient diabétiques dans le tas, est-ce que t'imagines? Tu as dit que t'as une substance qui peut te buter. Encore plus quand t'es diabétique, donc bon. Et ça, peut-être que ça faisait empirer les cas de diabète. Alors, ça dépend, est-ce que t'as le diabète type 1 et type 2? Ça, c'est à préciser. On assiège Dublin. Regardez ces monstres, ils sont en train de convertir les protestants. Les catholiques. Ou est-ce que les protestants ils convertissent des protestants? Ça aurait été bizarre. Il faut qu'on sauve les protestants, les catholiques, avant qu'ils soient la minorité. Où est Lyra quand on a besoin d'elle? Oui, je m'amuse un peu, hein, je déconne un peu. Bring Black, non. Get out the Black and Towns, non, quand c'est. Come on, Black and Towns. Montrez-moi que vous vous battez comme des hommes. Voilà, putain, le port de Waterford qui a été réduit en miettes par mes mecs. Bah si, on attaque, on vient direct. Je vais attendre un peu parce que j'ai pas de fric, donc si j'ai du fric, on pourra reconstruire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, ils ont de la bonne... Ouais, ils ont quand même du monde, hein.
À tous les coups, je vais perdre 50 milliards de soldats pour cette petite ville, hein. Parce qu'en plus, Dublin, t'as pas de mur. Bizarre. Non, le but, ça va être de prendre Dublin, laisser Dublin comme ça, foncer sur l'Écosse, on libère l'Écosse, et ensuite on prend l'Angleterre et on rend l'Angleterre à l'Écosse. Comme ça, ça fait les Jacobites sur le trône. Et moi, ma mission est accomplie. Je peux partir en paix. Au revoir. Au revoir. Bon, visiblement, ils ont pas trop aimé que je pète leur ferme à côté. Je m'amuse un peu, allez. Hop! Coucou! Qu'est-ce que vous en dites? Par contre, faut... Si au prochain tour, je recomplète mon armée, je les attaque. Ah bah, je veux bien me faire l'armée du Rouen. Il me pille Brest. Ouais, bon, je l'ai bien mérité quand même. Bientôt, la Manche sera profitable à tous. Eh, la Manche nous sera profitable. Ah, coucou les Autrichiens, comment ça va? Comment ça va, Léopold? La famille, les amis. Alors, je suis désolé pour ton cousin espagnol, hein. Écoute, on l'a mis au couvent, il a glissé sur une peau de banane, il est tombé de l'escalier des 53 marches pour aller à la cave chercher une bouteille de vin du monastère, et il est malencontreusement empalé sur 5 lances qui traînaient là, et malencontreusement, il a réussi à détonner un pistolet, ce qui lui a tiré une balle en pleine tête. Ah bah, tu sais, les accidents en France, hein, enfin, les accidents de palais, comme on dit, ça arrive, oh, t'inquiète pas. Puis bon, maintenant, ça fait plus qu'une branche à Habsbourg, c'est parfait. N'empêche, je suis assez surpris de pas avoir eu de guerre avec l'Europe de l'Est. Enfin bon, je pense que entre les Autrichiens et les Polonais, les Ottomans et tout ce bazar, ils ont déjà d'autres chats à fouetter que moi. Allez, Dublin qui va bientôt... Enfin, qui tombera bientôt, mais pas à cet épisode-là. Papa, papa, papa. Un prêtre au Maroc. Non mais les gars, arrêtez. Le Maroc, ça va devenir la nouvelle terre chrétienne. Vous avez vu le nom de... J'attends vos instructions. Ouais, ok, le Maroc qui va devenir chrétien dans pas longtemps. Et un saboteur au Maryland. On va voir si tu vas réussir à... Comment il s'appelle, lui? Hercule Mongi. On sent qu'il y a un peu de franco-anglais. Ah, Raymond Giscard est mort. Giscard? C'est l'ancêtre du Giscard d'Estaing, allez savoir. Alors, c'est un de mes ministres qui est mort? Ah, c'est mon ministre des Amériques qui est mort. Oh là là, ok, j'ai... Jean Moreau Colbert. Allez, ça c'est le petit-fils de Colbert. c'est l'arrière-petit-fils de Colbert, c'est... Mais je vous connais, mon grand-père vous avez avec vous. Exact. Allez, on regarde ça, on va pouvoir créer des fermes de partout. Du fric. Bon, je ferai ça au prochain épisode, ce sera plus marrant. Alors, moins 3-2. Amusing CAD. Attends, c'est qui... Abraham Giscard. Ah bah, c'est celui qui est mort. Bon, de toute façon, il était nul. Ouais. Abraham de Moivre. Oh, parfait. Regardez, on est de bons mecs. Toulouse qui émerge. On va construire des avions. Mais monsieur, on est en 1700. Je veux des avions. Je veux des avions. Je veux qu'ils survolent mes ennemis. Mais monsieur, Loup de Lerio, c'est pas avant 200 ans. Enfin, c'est pas avant 100 ans et demi. Pas faux, pas faux. Pendant ce temps-là, en Amérique. Je pense si on attaque... Oh oui, attendez, on peut attaquer avec nos deux armées en même temps. Alors là, ce serait parfait. Votre Majesté. Bon, eux ils sont presque... Eh hey, dans pas longtemps on va pouvoir faire la guerre. J'ai une idée, astucieuse, mais ça va pas passer. Pourquoi ça va pas passer? Parce qu'ils vont m'intercepter. Ou alors... Oui, monsieur. Est-ce que je vais vraiment défoncer le prêtre juste pour passer? Ah, ce serait vraiment bâtard ça. Bon. Je vais tenter un truc. Et sinon je m'arrêterai là, voilà. Écoutez, faut tenter des... Dans la vie, faut tenter des trucs. Et si ça passe pas, bah ça passe pas, voilà. Tout simplement, c'est ma philosophie. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais non, espèce de dé... Oh, heureusement que j'ai sauvegardé juste avant. Oh putain. Il y a une route. La route, elle est là. Mais Basile, putain, tu vas avoir un petit-fils qui va écrire un bouquin qui va révolutionner les sciences, la politique, et t'es même pas foutu de lire une carte. En plus, il a abandonné Saint-Augustine, cette espèce d'abruti. Oh. Ah ouais, heureusement que j'ai sauvegardé, parce que purée. Par contre, si j'attaque lui, je présume que l'autre, il vient m'aider. Ah mais par contre, il vient pas m'aider, hein, ça... Ok, donc je saurai, la prochaine fois, je casse sa figure à eux. Mais c'est encore mieux que ce que je pensais, en fait. Je casse sa figure à eux, je ramène mes canons à côté, on les finit. Ouais, mais ça va être parfait. Bon, il y a juste la cave qui va être chiante. Mais franchement, la cave, on se la fait facilement. Ouais, c'est les riders, mais bon, les riders, à part des riders de coke, je vois pas où est la menace. Ouais, ça devrait le faire. Bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Bye.